nécessaire pour tout le monde. Je vais vous parler donc de cette fameuse restauration avec Adam, etc. Donc bien comprendre qu'il y a de la part de Isaac Luria cette volonté d'associer l'exil, ça il faut bien comprendre ça, l'exil du peuple juif à l'exil de ce Dieu qui s'est en partie répandu dans les mauvaises herbes, c'est-à-dire les kélipotes, tous ces contraires idéaux rabbiniques. Cette substance est séphirote, à la fois substance et récipient. Il y a, au sujet du messianisme et la rédemption du judaïsme, dans l'esprit du judaïsme, deux petites citations à vous faire. La première, sur la genèse du messianisme juif. Je le cite, c'est Gershom Scholem. Extrêmement actuel. Je le cite. Le messianisme prit alors dans la conscience juive un double aspect qu'il a gardé depuis. Donc, ces deux aspects du messianisme se font sur les paroles des prophètes où on les rencontre de façon plus ou moins explicite. Un aspect des cataclysmes et des destructions qui doivent accompagner la venue de la rédemption et un aspect utopique quant à ce que seront les réalités messianiques. Le messianisme juif est, dans son origine et dans sa nature, on ne saurait jamais assez y insister, l'attente de cataclysmes historiques. Il annonce des révolutions, des catastrophes qui doivent se produire lors du passage du temps de l'histoire présente au temps futur messianique. Ces cataclysmes et ces visions funestes prennent un tour nouveau et propre dans les visions de la venue du Messie. On les retrouve en effet dans l'ère de transformation ou de destruction qui verra naître la rédemption messianique. C'est pourquoi cette période est regardée dans le judaïsme comme celle des souffrances de l'enfantement du Messie. C'est très intéressant de voir, plus ça se dégrade, mieux c'est, plus ça annonce pour eux la rédemption et l'arrivée de leur sauveur. Et je vais ajouter un autre élément concernant l'action d'Israël. Voyez-vous, je vous parlais de la restauration, le tikkun, donc de ces substances divines répandues dans les choses négatives du mal, les kélipotes, contraires à l'idéal rabbinique, associées à l'exil d'Israël. Et c'est au peuple juif, selon Luria, de procéder à cette libération en associant l'exil du peuple juif et l'exil de Dieu, qui ont leur sort lié. Et pour cela, je vais vous citer Gershom Scholem, qui résume parfaitement cette situation. Je le cite. À un niveau inférieur, l'exil de la communauté terrestre d'Israël dans le monde de l'histoire n'est ainsi qu'un reflet de l'exil de l'Israël céleste. Vous voyez, il associe l'exil du peuple juif terrestre à l'exil de l'Israël céleste, Dieu. C'est-à-dire la Shekinah. La Shekinah, c'est la présence de Dieu dans le monde. La nature d'Israël symbolise la nature de la création dans sa totalité. C'est le juif qui a entre ses mains la clé du tikkun, la restauration. Donc c'est le juif qui a entre ses mains la clé du tikkun, du monde, à savoir la séparation progressive du bien et du mal par le moyen de l'accomplissement des commandements de la Torah. Quand la dernière trace de sainteté sera extraite de la kelipa, donc les choses négatives contraires à l'idéal rabbinique, donc quand la dernière trace de la sainteté sera extraite de la kelipa, de façon à ce qu'aucune étincelle divine n'y subsiste, le monde du tikkun, de la restauration, deviendra manifeste. C'est là ce que signifie la rédemption. Cette rédemption nationale d'Israël symbolise ici une réalité plus intérieure. Elle figure la rédemption du monde. Donc vous voyez, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que la tournure d'esprit religieuse, les référents religieux ont un impact spirituel, mais aussi politique. Vous pensez bien, quand je vous citais le cas du grand architecte de l'univers qui gère, qui façonne donc à la Révolution française et qui est un démiurge, eh bien, il va de soi que ça ne peut que plaire à ces gens-là qui évacuent le baptême de Clovis, qui lui s'appuie sur la maison rivale qui est le catholicisme. Bien comprendre, il s'agit avant même d'être pour ou contre, de comprendre le raisonnement de ces gens-là. Donc, l'élévation des étincelles, et c'est le quatrième point, consiste de la part des juifs à extraire ces étincelles de divinité des impuretés. Donc il faut détruire ces clipotes, ces éléments contraires à l'idéal du rabbinisme pour permettre la rédemption du peuple d'Israël et la rédemption de Dieu. Et donc la réforme laurianique crée les conditions politiques,
spirituelle et psychologique pour préparer une bascule du monde juif, dont les répercussions se feront sentir aussi bien chez les juifs que chez les non-juifs. Alors, je vais évoquer d'une manière obligatoirement très large, mais en essayant quand même d'être précis, deux événements fondamentaux de l'histoire du judaïsme, avec deux mouvements qui ont toujours un impact profond. Au XVIIe siècle, avec Sabbatai Tzvi, 1626-1676, et Jacob Frank, 1726-1791. Ces deux hommes, ces deux rabbins, sont les fils spirituels du rabbin Luria. Sabbatai Tzvi, au XVIIe siècle, va se convertir faussement à l'islam. Jacob Frank, au XVIIIe siècle, 1759, je crois la date, se convertit lui aussi faussement au catholicisme. Et chacun va entraîner dans sa suite, dans sa conversion, des milliers et des milliers de personnes. Bien comprendre qu'il y a, au sein du monde rabbinique et au sein du monde juif, une lutte à mort. Mais je dis bien une lutte à mort entre, d'un côté, les juifs restés fidèles au Talmud, ce qu'on appelle les juifs rabbiniques, et ces juifs qui se convertissent faussement, dans le premier cas avec Sabbatai Tzvi, à l'islam, et au XVIIIe siècle, ces juifs qui se convertissent faussement au catholicisme, tout en conservant des caractéristiques du judaïsme. Et il y a, dans le cas de l'islam, avec Sabbatai Tzvi, le lancement du principe de transgression, avec cette idée de rédemption par le péché. C'est-à-dire que plus le mal se développe, plus on accélère l'arrivée du Messie et de la rédemption. Vous voyez la porte ouverte à toutes les dérives et à tous les éléments tordus, possibles et inimaginables. Le fait que Sabbatai Tzvi se présente comme le Messie révèle une continuité de l'idéal rabbinique. Rappelez-vous, je vais vous citer l'exemple du rabbin Akiba qui va soutenir ce juif qui se rebelle à l'autorité romaine avec Shimon Bar Kokhba. Ben, Shimon Bar Kokhba se présente comme le Messie. Donc on voit cette permanence. Et il y a un élément qu'il faut retenir, c'est que Isaac Luria, outre le fait donc d'avoir mis en place une nouvelle réforme de la Kabbale, a instauré le principe de la lignée messianique avec le Gilgoul, la métempsycho. C'est-à-dire que l'incarnation de Dieu au sein d'un homme passe d'un homme à un autre. C'est-à-dire que la lignée messianique va passer de Sabbatai Tzvi à un autre qui s'appelait Baruch HaRousseau dans les années 1700 et ensuite à Jacob Frank. Très important ce principe de la lignée messianique dans le but de parachever la grande réforme qu'il souhaite mettre en place. Voyez-vous, cette idée de transgression elle s'explique, si on veut rentrer dans leur raisonnement, par deux choses. Il est dit, vous avez dit que la compression de la Torah elle est sans fin du fait des combinaisons des lettres et des dix séphirotes. Mais il est dit que la compréhension de la Torah se fera à une époque, à l'époque messianique. Et à partir du moment donc où Sabbatai Tzvi, comme pareil pour Jacob Frank, se présente comme des messies, pour eux, la Torah devient compréhensible. Et deuxième point, ils disent qu'à partir du moment où on se prétend messie, il y a des dispositions propres à la Torah qui disparaissent. Voyez-vous, vous avez ce qu'on appelle la mitzvah, pluriel mitzvot. Mitzvah, ce sont les prescriptions de la Torah. Un juif, en temps normal, doit prononcer cette phrase, je cite, « Sois loué éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui délivre les captifs. » Et avec cette idée de transgression lancée, entre autres, par Sabbatai Tzvi, dans l'idéal de rédemption par le péché et d'accélération de l'arrivée du Messie, cette formule devient, je cite, Sois loué éternel qui permet ce qui est interdit. Vous voyez la porte ouverte, et Gershom Scholem, le grand spécialiste, dit bien que c'est la porte ouverte à certaines choses comme l'inceste, par exemple, entre autres, et des orgies. Il parle entre autres d'une. On se concerne de Jacob Frank, la veille de sa conversion, lui et ses amis, ils se mettent nus devant une croix, avec ensuite. Eyes Wide Shut, voilà, version Eyes Wide Shut. Bref, un truc. Bon. Il y a une chose, il faut comprendre l'humour juif. Ils ont un humour. Jacques Attali a un humour, certain.
je vous parlais des mitzvah, la mitzvah et mitzvot, prescription de la Torah. En 2007-2008, le président Sarkozy a demandé à Jacques Attali un rapport pour comment combattre le chômage, améliorer la situation économique, blablabla. Bon. Et l'équipe Attali a pondu un rapport, et d'ailleurs c'est devenu un livre que j'ai lu en diagonale à la FNAC. Et le titre du livre, c'était « Les 300 propositions ». 300 propositions. Ça, c'était le titre du livre. Et donc, je lis en diagonale le bouquin, et puis à un moment donné, je me rends compte, arrivé à la fin du livre, que ce n'était pas 300 propositions, mais 316. En temps normal, moi, j'aurais pris un chiffre en 300, 350, 400. Pourquoi 316? Et je me suis dit, il y a un truc. Le truc, enfin, c'est pas venu tout de suite, mais bon, ça traînait. Et je me suis rappelé à un moment donné qu'en hébreu, comme en arabe, on lit de droite à gauche. 316, 613. Ah, 613, ce sont les recommandations de la Torah, les mitzvot. Il aurait dit 317, proposition 318, ça n'a aucun sens. Le fait de faire ce jeu de mots, enfin, ce jeu de chiffres plutôt, 316, 613, indirectement, c'est une petite plaisanterie qu'il a balancé, c'est le mot de la Jacques Attali. Très intéressant de voir des choses comme ça qui parsèment. Vous voyez, un film, l'aspect politique, et l'aspect politique de la Révolution française, elle a plu. Elle est dans la continuité de la pensée juive, puisqu'on substitue un intermédiaire. Le roi de France, depuis la bataille de Clovis, était sacré à Reims, était l'intermédiaire, ce qu'on appelait le lieutenant du Christ. Comme disait Saint-Jean d'Arc, vrai roi de France, quand cette chose a sauté en 1789, eh bien, il va de soi que parmi les élites juives, ça ne pouvait qu'une chose satisfaisante. Bien. La conversion fausse en 1666 de Sabbat HaSfi à l'islam a été suivie quelques années plus tard, en 1683, par la conversion de plusieurs centaines de familles juives à l'islam. Ce qu'on appelait, c'était originaire de Salonique, ce que ça allait donner, donc les dogmes, les apostats. Je vais être très rapide, mais j'évoque ce point que j'ai développé dans le livre « Atlas du mondialisme », cette idée de transgression dans tous les domaines, de faire le mal pour accélérer l'arrivée du bien. C'est un idéal qui s'est transmis au sein de ces élites juives faussement converties à l'islam dans le cas des Dönmez, dans le monde ottoman. Je rappelle que les jeunes turcs sont en fait pour la plupart les descendants directs des Dönmez. Avec la création en 1889, le 14 juillet 1889, ce n'est pas l'effet du hasard, du parti Union et Progrès. Et ils sont réclamés de l'idéal de la Révolution française. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont joué un rôle, entre autres, dans la mise en forme des départements et des vilayets pour l'Empire ottoman. Dans cet idéal de perversion, conscient ou pas, avec tous les degrés, les nuances qui vont avec, dans cette volonté de détruire les kélipotes, ces impuretés, ces choses négatives, contraires à l'idéal sabbatéo-franquiste, ne pourrait-on pas considérer que le génocide arménien de 1915, avec l'anéantissement d'une large communauté arménienne, n'était pas une manière indirecte de la part de ses descendants sabbatéens de détruire les kélipotes, ses impuretés, empêchant l'arrivée du Messie. Une citation de l'ami Gershom Scholem, qui le dit en filigrane, en parlant de la psychologie des sabbatéens. Dans tous les cas, et malgré les nombreuses nuances psychologiques qu'il faudrait mettre dans les idéaux de transgression commises pour elles-mêmes et de péché sacré, les sabbatéens radicaux croyaient tous dans le pouvoir sanctifiant du péché, pouvoir sanctifiant déposé en eux au milieu même de leur impureté. Entre nous, soit dit, ils sont vraiment tordus ces gens-là, mais comprendre que le génocide arménien de 1915 correspond parfaitement à l'idéal, avec des guillemets, hein, l'idéal, de détruire des kélipotes, des impuretés contraires à l'idéal sabbatien. Et avec Jacob Frank, on va pouvoir peut-être dire la même chose dans le cas du nazisme. En effet, vous avez au XVIIIe siècle Jacob Frank qui se présente lui aussi comme un messie et comme la continuité de Sabbat HaSfi, de cette lignée messianique avec le Gilles Gou, la métempsycose. Et ce Jacob Frank se convertit faussement au catholicisme en 1759, il va jouer un rôle très important, entre autres, sa fille, Ève, va devenir la maîtresse de l'empereur
l'empereur Joseph II, l'empereur d'Autriche. Et il est très intéressant de constater, et je peux vous dire en particulier, j'ai eu la chance, le privilège, de pouvoir lire la seule étude véritable sur Jacob Frank. C'est un juif polonais qui s'appelait Alexandre Krauss-Haar, qui était avocat, journaliste, historien, qui a fait un ouvrage absolument remarquable qui est sorti en 1895 sur Jacob Frank et le mouvement franquiste. Il l'a fait avec des pièces d'archives de l'époque, je dis bien de l'époque parce qu'elles n'existent plus, la plupart ont été détruites par les bombardements des bibliothèques de la ville de Varsovie. C'est lui qui a fait l'étude extraordinaire des idées de Jacob Frank, de son entourage, à partir de pièces d'archives irréfutables. Et ce livre de 1895 a été, pour la première fois, traduit en français. Il vient de sortir en février 2017, avec comme titre « Jacob Frank et le mouvement franquiste » aux éditions Hades ou Had. J'ai jamais su si on prononce. Ça s'écrit H-A-D-E-S, qui est l'étude véritable, exceptionnelle sur le franquisme, que vous avez sur Amazon, et j'encourage vivement les personnes à se procurer, parce que c'est la seule étude véritable faite sur le franquisme. Gershom Scholem s'est appuyé énormément sur les travaux d'Alexandre Krauss-Haar. À titre d'information, je peux vous dire que j'ai eu le privilège d'avoir la lecture de ces travaux de Krauss-Haar avant sa parution en français. Et sans rentrer dans les détails, il m'a été possible, à partir des informations données par Krauss-Haar, alors d'abord je vais vous citer les informations de Krauss-Haar, Jacob Frank avait une cour d'environ 1000 personnes. Et il va s'installer à côté de Francfort, dans la ville d'Offenbach, dans un château, dont le Saint des Saints était sa chambre, appelée le Temple, au hasard. Et, chose très intéressante, Krauss-Haar précise que les sources de financement de cette cour de juifs faussement convertis au catholicisme, prônant la rédemption par le péché, et qui, pour la plupart, étaient souvent anoblis, et donc ont occupé des postes clés dans la société polonaise, mais ensuite allemande, morave, tchèque, anglaise, américaine, un des plus grands juges de la Cour suprême des États-Unis au début du XXe siècle, est un descendant de franquistes, il s'appelait Louis Brandeis. Eh bien, il m'a été possible d'avoir des informations qui m'ont poussé ensuite à faire des recherches et à trouver des sources de financement autres que les Rothschild. Je vous donne des noms. Gontard, Mullens, Brentano, Bettmann, et entre autres le rôle éminemment important d'un homme qui s'appelait Simon Maurice von Bettmann, qui était le consul des Russes à Francfort et qui était l'agent de liaison entre la cour de Russie, la cour autrichienne, la Prusse et Napoléon. Il y a une seule étude qui a été faite sur ce Simon Maurice von Bettmann en allemand. J'ai eu cette étude et j'ai pu compléter, avec les travaux de Krauss-Haar, l'influence colossal de Simon Maurice von Bettmann. Il faut savoir qu'indirectement, la révolution bolchevique de 1917 s'explique par l'intrusion des idées franquistes à la cour de Russie avec Alexandre Ier qui va rendre visite deux fois à Elf Frank, son ministre des Affaires étrangères Nesselrod va rendre visite aussi à Elf Frank. Il est vrai que le nom de jeune fille de la mère de Nesselrod, c'était Gontard, qui était un des grands banquiers de Francfort, qui travaillait avec les Rothschild, et Simon Maurice von Bettmann. Donc il m'a été possible de reconstituer un puzzle, et à cela s'ajoute aussi le petit cousin de Jacob Frank, qui s'appelait à l'origine Moses Lobuska, puis ensuite s'appelait Franz Thomas von Schönfeld, il a terminé en France sous le nom de Junius Frey, et qui était vraiment un personnage sabbatien franquiste de premier plan. Et il m'a été possible de prouver des liens financiers entre ce Junius Frey et d'autres liens, en particulier le fait que le banquier du roi de Prusse, qui s'appelait Isaac Daniel Itzik, était membre d'une société fondée par
juifs frères qui s'appelaient les frères asiatiques, et qui a irradié littéralement, d'abord en Allemagne, en Autriche, puis ensuite dans le monde, enfin dans le monde européen, et par ricochet le monde entier. La finalité de tout ça, c'est quoi? Créer le chaos et l'apostasie pour favoriser, toujours selon eux, l'arrivée du Messie. Je ferai une petite remarque pour ceux qui auraient tenté de lire mon livre « Atlas mondialisme ». Il faut savoir, et je l'ai expliqué dans le livre, que le nazisme, c'est du sabbatéo-franquisme. Que Adolf Hitler, c'est un golem franquiste. Et que la politique d'anéantissement des juifs par le nazisme aurait rempli de joie Jacob Frank, qui voulait l'extermination des juifs. C'est simple, Gershom Scholem, quand il parle de l'attitude contre, de la part de Jacob Frank, ses amis, contre les juifs restés fidèles au Talmud, il a une expression, il parle d'antisémitisme métaphysique. Et quand on étudie le nazisme, qui est né de sociétés occultes, via la société de Thulé, via de mouvements occultistes, en particulier, je pense, à von Zevonendorf, de son vrai nom Glauer, qui était très lié au mouvement turco-sabbatéen avant la Première Guerre mondiale. Le nazisme, c'est du sabbatéo-franquisme, et Hitler a fait le travail qu'un Jacob Frank aurait aimé faire. C'est bien simple. Le nazisme, outre l'avalanche de choses pourries qu'ils ont pu faire, le nazisme défendait le principe du Der Führerprinzip, le culte du chef. Jacob Frank défendait même ce principe-là. C'est-à-dire que même dans la psychologie, même du profil psychologique de Jacob Frank, quand on lit sa vie, et en particulier quand on lit sa vie grâce aux travaux de Krauss Haar, eh bien, on croit voir Hitler. Et en fait, cela rentre dans cette politique tordue, épouvantablement, enfin qui dépasse l'entendement, au sein d'élite, de faire passer un idéal de destruction en vue d'arriver à une apostasie complète pour permettre un renouveau. Je n'irai pas plus loin, pour ceux qui voudront lire ce livre, ils pourront avoir des informations supplémentaires. J'aborde le quatrième point de cette conférence en me focalisant sur des sujets bien plus concrets et extrêmement moderne, même s'il commence au XIXe siècle. Il m'est possible d'affirmer que l'histoire du chemin de fer de Bagdad, Bagdad-Ban, est liée au sionisme, avec les conséquences que l'on va voir ensuite aujourd'hui à notre époque. Pour tout ce qui a trait à l'histoire du Bagdad-Ban, il faut véritablement comprendre qu'il y a eu à la fin du XIXe siècle cette volonté de la part des autorités allemandes de construire une immense voie ferrée qui partait d'Hambourg, traversait l'Allemagne, l'Empire d'Autriche-Hongrie, les Balkans, puis ensuite l'Empire ottoman, et que cela allait jusqu'au Golfe Persique. Pas tout de suite. Et l'histoire du Bagdad-Ban, en fait, très rapidement, c'est d'abord une voie ferrée qui avait été lancée en direction de Constantinople, le Orient Express, par une compagnie franco-belge qui s'appelait Vinterhest, dans Grand du Monceau, et qui fait faillite et qui va être reprise par un baron juif bavarois, anobli, qui s'appelait le baron de Hirsch, qui va reprendre cette voie ferrée, cette voie à Constantinople, et qui va travailler main dans la main avec un banquier, Brabois de Rothschild, qui s'appelait Bleich Schröder, mais qui était aussi le banquier personnel du chancelier Bismarck. Et, suite à différents événements, un véritable programme est mis en place pour, en particulier, soumettre l'Europe centrale et l'Autriche des Habsbourg à l'Empire allemand à la fin du XIXe siècle, car l'objectif, c'est certes de contrôler le Proche-Orient, mais il faut impérativement, entre l'Allemagne et le Proche-Orient, contrôler la zone intermédiaire, qui est la zone balkanique avec l'Empire des Habsbourg. Et vous avez un document, une carte, qui date de la fin du XIXe siècle. C'est, en trait rouge, la Grande Confédération germanique. En trait rouge, la Grande Allemagne que les autorités allemandes et pan-germanistes à la fin du XIXe siècle voulaient mettre en place, prévue pour 1950. Cette carte-là vient de l'original que j'ai la chance de posséder d'un livre d'André Sheradam.
y a deux ouvrages, enfin on a plusieurs, mais il y en a deux en particulier qui sont passionnants. C'est l'Autriche à la question au début du XXe siècle, et puis le chemin de fer de Bagdad. Cette carte-là vient du livre d'André Sheridan de 1901, c'est l'original, qui sera donc dans le livre. Et donc, l'objectif, c'était de créer un bloc très lourd au cœur de l'Europe, soumettant les Balkans, pour ensuite mieux contrôler l'Asie mineure, en tout cas l'Empire ottoman. Et dans cette histoire, les Allemands vont conclure, en janvier 1902, un accord avec le sultan ottoman pour finaliser le Bagdad-Bad. Et pourquoi il faut s'intéresser à cela? Parce que vous allez voir tout à l'heure que ça a des répercussions dans la situation actuelle. Et ce Bagdad-Bad va être mis en place de plus en plus, et en particulier, ce Bagdad-Bad, vous pouvez y aller, c'est cette carte de 1903, suite à l'accord entre les Allemands et les Ottomans, un Bagdad-Bad qui donc part de Hambourg, traverse l'Europe centrale, d'où la nécessité de contrôler toute la zone du sud-est, et qui ensuite zigzague. Et ce Bagdad-Bad est divisé en 14 sections, tronçons ferroviaires faisant chacun 200 km de long, jusqu'à l'actuel Koweït. Alors, la finalité, c'est quoi? C'est un travail de très longue haleine. Il y a une bascule, on passe du charbon au pétrole. Et on trouve d'immenses réserves de pétrole au niveau de Mossoul et de Kirkouk. Ma foi, il me semble que ce qui se passe actuellement, c'est un peu la même chose. À précision, à cette époque, avant la guerre de 14, aucun puits pétrolier n'était exploité. D'ailleurs, ils appartenaient tous au sultan. Simplement, le sultan de l'époque avait confié à des ingénieurs allemands le soin de prospecter. Donc, on avait trouvé d'immenses réserves de pétrole. Mais il faut savoir que c'était un travail de très très longue haleine, dans ce sens qu'en plus des difficultés techniques pour construire cette immense voie ferrée allant jusqu'au Koweït, il y avait aussi la possibilité donc de forer, mais ça demandait un temps fou. Et il faut savoir que ces puits pétroliers n'ont été forés qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc, bien comprendre que les Allemands n'ont jamais pu en profiter réellement. Faute de temps, parce que ça demandait un temps fou, etc., les techniques, mais la finalité, s'ils avaient pu, c'était donc exploiter. Et au grand dam de qui? De l'Angleterre, puissance maritime. Et il y eut des tentatives d'entente entre Allemands et Anglais pour se partager cette zone. Au même titre qu'il y eut des tentatives d'entente entre Allemands et Anglais pour le partage des colonies portugaises. Mais cette entente n'a pas pu se faire pour deux raisons. La première raison, c'est que vous aviez deux grandes puissances, la puissance maritime anglaise, la puissance terrestre allemande. Et qu'il y avait un en trop, un devait dégager. Et une autre raison, c'est que dans cette histoire, le sionisme est intervenu dans l'histoire du Bagdad-Bad. Alors avant de continuer dans l'histoire du Bagdad-Bad, il y a une citation que je vais vous faire concernant le Bagdad-Bad. La première citation, c'est André Sheridan qui parle, et ensuite la deuxième concerne une revue militaire allemande qui est d'une très grande clarté. D'abord André Sheridan, maître de cette gigantesque voie ferrée qui s'étendra sans interruption depuis Hambourg jusqu'au golfe Persique, les Allemands feront de son point d'aboutissement la tête de ligne de leur navire rapide à destination de l'Extrême-Orient. Et c'est là où la revue militaire allemande ajoute ceci. Un regard jeté sur la carte montre que si le golfe Persique est en possession stable d'une puissance étrangère, et si de plus le chemin de fer de Bagdad ouvre au commerce du monde et aux communications de nouvelles voies de transport, de l'ouest à l'est et inversement, non seulement le rôle économique de l'Angleterre changera, mais son importance militaire en Asie, je vous rappelle que l'Asie c'est l'Inde, la perle de l'Empire, non seulement le rôle économique de l'Angleterre changera, mais son importance militaire en Asie subira une transformation complète et un développement défavorable. Le port du Koweït se trouve à 80 km environ du bord ouest du delta que le châtel arabe forme à son embouchure. Il est parfaitement abrité contre les vents, présente un fond d'ancrage excellent et il est assez vaste pour abriter toute une flotte. Et admirer l'humour allemand,
on le dirait d'ailleurs créé pour servir de port de guerre. Donc les Allemands voyaient à long terme la production de pétrole, rivalité avec les Anglais, des tentatives avant la guerre 14 d'entente avec les Anglais, mais ça ne pouvait pas durer parce que partager le gâteau, c'est à boire, point barre. Surtout que les Anglais, sachant que les Allemands voulaient construire une base navale au niveau du Koweït, voyaient donc la menace d'une base navale contre les intérêts britanniques, entre autres avec l'Inde. Donc les tentatives d'entente entre Anglais et Allemands ne pouvaient pas perdurer. Il y en a eu quelques-unes, mais ça ne pouvait pas perdurer. À cela s'ajoute le fait que les Allemands étaient en bagarre contre les Russes. Et là, on va pouvoir mettre cette carte, la suivante, c'est la carte de l'Eurasie. Le Bagdad-Ban qui part de Hambourg traverse cette Europe centrale que les Allemands doivent à tout prix dominer, l'Empire ottoman jusqu'au golfe Persique, et ensuite enquiquiner les Anglais avec l'Inde, avec des possessions allemandes en Chine. Et vous avez, côté russe, ce qu'on appelle le transsibérien. Et les Russes, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient construire des voies ferrées, traverser ces pays contrôlés par l'Angleterre jusqu'aux mers chaudes. Les Anglais n'étaient pas chauds du tout. C'est le mot russe, c'est pas fait exprès. Les Anglais ne souhaitaient pas voir les Russes accéder aux mers chaudes. Et donc les Russes, pour eux, c'était une catastrophe parce que l'exportation de leurs produits, céréales, minerais, était dépendant de la ceinture contrôlée par les Allemands via le Bagdad-Ban. Donc les Allemands conditionnaient l'avenir économique du monde russe. Et donc, pour la Russie, la concrétisation de ce Bagdad-Ban était une catastrophe. C'est pourquoi les Russes se sont rangés du côté des Anglais, parce qu'il fallait faire un choix, côté allemand, côté anglais, mais côté allemand, on est cuit. Avec les Anglais, on peut peut-être s'arranger. D'ailleurs, vous avez eu des tentatives de contrôle entre Russes et Anglais pour le partage des influences russes et anglaises au niveau de la Perse. Donc, bien comprendre que pour les Russes, c'était une catastrophe. Et je vous demande d'avoir cette carte en tête. Pourquoi? Parce que actuellement, j'ai expliqué ça dans le bouquin, ce qu'on a connu avant la guerre de 14, c'est ce qu'on connaît encore aujourd'hui. Vous avez une guerre à mort entre les puissances maritimes anglo-saxonnes face à la Russie et la Chine, puissance terrestre. Pour le contrôle de quoi? De cette zone-là, péninsule arabique, monde turc, l'Iran et l'actuelle Arabie saoudite avec l'Irak et avec Israël. Et le Bagdad-Ban, et c'est ça que j'ai apporté comme information supplémentaire, était lié à l'affaire du Grand Israël, en tout cas du foyer juif en Palestine, avec Theodor Herzl. Et je continue pour terminer ce quatrième point, avec l'affaire du sionisme. Theodor Herzl, 1860-1904, va lancer en 1897 le premier congrès sioniste en Suisse à Bâle. Son objectif, c'était donc de lancer la création d'un foyer juif en Palestine. Déjà, il faut se rappeler une chose. Rappelez-vous, je vous ai dit que dès l'encens, vous avez eu une bagarre avec d'un côté le rabbin Akiba, et le fameux messianiste juif Shimon Bar Kokhba qui voulait prendre les devants, reconstruire le temple, etc., foutre à la porte les Romains, et une autre faction juive qui s'opposait. Et finalement, Theodor Herzl ne fait que reprendre cet idéal sous une apparence, bien une apparence laïque. À l'origine, et personne ne le sait, le premier congrès sioniste, il a eu lieu à Bâle, mais en fait, le premier congrès sioniste aurait dû se produire en Allemagne, à Munich. La chose ne s'est pas faite. Pourquoi? Parce que les rabbins de Munich, eux, scandalisés à l'idée de voir ces sionistes dire ben, « Nous, les hommes, on doit forcer Dieu à intervenir », se sont opposés à cette réunion et ont tout fait. Ils ont réussi pour que cela se fasse, en tout cas, ça ne se fasse pas à Munich. Donc c'est très intéressant de voir que le conflit entre les deux factions juives à la fin du XIXe siècle, entre ceux qui voulaient laisser le Messie intervenir seul et ceux qui disaient ben, on va forcer les choses, eh bien, c'est le même conflit qu'on retrouve au temps du rabbin Akiba. Donc, vous prenez les deux chaînes et vous avez toujours les mêmes conflits, les mêmes rivalités, simplement en fonction de l'époque. Il y a une faction qui impose sa vue, ses vues à l'autre. Et là, c'est dans cette histoire, c'est le sionisme. Alors, je vous citais tout à l'heure le cas du baron de Hirsch.
le baron de Hirsch avait joué un rôle très important dans l'acquisition de voies ferrées en direction de Constantinople. Et il travaillait avec Bleichröder, conseiller du chancelier Bismarck. Bon. Ce baron de Hirsch est à l'origine de la création, en 1891, d'un fonds financier, le fonds Hirsch, au sein duquel on trouvait les plus grands financiers, dont un certain Jacob Schiff, juif allemand, naturalisé américain, qui va jouer un rôle capital en soutenant financièrement le Japon contre la Russie dans sa guerre en 1905 en lui fournissant 200 millions de dollars. Alors tout ce que je vous balance, ce sont des faits officiels, d'ailleurs qui viennent de pièces d'archives juives que j'ai utilisées, et parfois, puisqu'ils les présentaient, j'en ai profité. Et c'est très intéressant de voir cette collusion entre le mouvement sioniste et ses financiers juifs. Pourquoi? Parce que ce Jacob Schiff, il avait une fille qui s'appelait Frederica Schiff, mariée à qui? À Félix Warburg, dont les deux frères, Paul et Marx, et Max Paul, c'est lui à l'origine de la création de la FED, en 1913, et qui va devenir, au lendemain de la Première Guerre mondiale, un des grands dirigeants du CFR, le Council on Foreign Relations, qui joue un très grand rôle, encore aujourd'hui, évidemment, dans le mondialisme. Max Warburg, la banque Warburg en Allemagne, qui va jouer un très grand rôle dans le financement de la Pan-Europe dans les années 20, avec Richard de Coudenhove-Kellergy, qui favorise la rencontre entre Richard de Coudenhove-Kellergy et le chancelier allemand Stresemann. Le Max Warburg, qui était président, ou en tout cas un grand dirigeant du comité d'administration d'IG Farben, avec un Paul Warburg, qui était aussi dirigeant d'IG Farben pour sa branche américaine, IG Farben, qui va jouer un très grand rôle dans la chimie pour Hitler et la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit, il faut lire le bouquin de cette excellente maison d'édition Retour aux sources, qui a traduit enfin en français les livres d'Anthony Sutton, qui a apporté toutes les preuves. Bon. Et donc, voir ces collusions. Autre remarque, parmi les membres de la fondation du fonds Hirsch, outre Jacob Schiff, vous avez aussi un juif allemand naturalisé américain qui s'appelait Oscar Strauss, qui sera ambassadeur aux États-Unis au sein de l'Empire ottoman et qui va travailler avec Theodor Herzl. Dire que le sionisme a commencé avec Theodor Herzl, ce serait exagéré, parce que vous avez deux personnes à citer. Le premier, c'est un certain Edmond de Rothschild, qui est en fait le premier à avoir organisé réellement un courant juif d'Europe vers un territoire de Palestine peuplé de juifs qui s'appelait Richon-le-Zion en 1882. Très intéressant, tout est lié en histoire, c'est un immense puzzle. Le judaïsme a été, comme par hasard, reconnu et officialisé par la Révolution française, par ce député qui s'appelait Adrien, je n'ai plus son nom de famille. Bref, ça m'arrive. C'est moi. Adrien, en tout cas. Et Napoléon Ier, qui va enraciner les principes de la Révolution française, va lancer la convocation du Grand Sanhédrin pour intégrer le judaïsme comme religion officielle au sein de la France, même type que les protestants, etc. Et vous avez en particulier la création du Consistoire de Paris. Ils ont un site internet. Il faut être curieux. Il faut y aller. Vous avez plusieurs Rothschild qui ont été présidents du Consistoire de Paris, dont Edmond de Rothschild. Donc c'est très intéressant de voir ces liens sionisme, Consistoire de Paris, qui doit son origine à Napoléon Ier, etc., etc. Mais je vous ai dit, il y a un deuxième personnage. Bon, certes, Edmond de Rothschild a joué un grand rôle en travaillant en liaison avec Theodor Herzl, mais vous avez un autre personnage. Si vraiment on devait donner une date et un nom, une personne ayant vraiment lancé le sionisme en Europe, c'est un rabbin allemand, prussien je crois, qui s'appelait le rabbin Kalischer, et qui, en liaison avec un autre rabbin, le rabbin Al-Kali, va, en 1836, rédiger une lettre pour favoriser le peuplement de la Palestine par des juifs venant d'Europe. Il y a vraiment tout un programme de peuplement, de migration juive d'Europe vers la Palestine, avec en arrière-fond, évidemment, reconstruction du temple. Lettre de 1836. Oui, mais lettre adressée à qui? À la famille Rothschild de Berlin. L'information que je vous donne, évidemment, est parfaitement référencée, et vous précipiterez tous, malgré les 10 ou 12 jours de retard,
en lisant mon livre, La classe au mondialisme, aux éditions de Retour aux Sources. Je vous ai dit que le sionisme ne faisait que reprendre l'idéal de Shimon Bar Kokhba, malgré une apparence laïque. Eh bien, c'est pas moi qui le dis, c'est Theodor Herzl lui-même. Car dans ses carnets personnels que j'ai lus, vous avez volume 2, page 711, des carnets personnels de Theodor Herzl tirés directement de la Genèse 15-18, la volonté de créer un grand Israël des rives de l'Euphrate jusqu'au Nil. Et le document, c'est celui-là. Vous avez donc cette carte-là qui est donc dans le livre Adaptation de l'Église, le grand Israël de Theodor Herzl, qui ne fait que reprendre la Genèse 15-18. Alors, le document d'origine dans le livre est beaucoup plus grand parce que vous avez deux informations, une en haut et en bas. En haut, vous avez le Theodor Herzl 1904 avec le rabbin Fishman de 1947. Et sous la carte, vous avez la phrase de Theodor Herzl qui explique qu'il faut donc un grand Israël des rives de l'Euphrate jusqu'au Nil. Le rabbin Fishman de 1947 prône un grand Israël du Nil à l'Euphrate. Le vrai nom du rabbin Fishman, c'était Yehuda Leib Memon, qui participera avec entre autres Ben-Gourion à la reconnaissance de l'État d'Israël, avec le fameux document de 1948 officialisant l'État d'Israël. Après la mort de Theodor Herzl, vous allez avoir des hauts et des bas. Je fais très vite. Arrive la Première Guerre mondiale et vous avez Chaim Weizmann qui va être l'élément clé qui va renforcer le courant du sionisme. Je rappelle que Chaim Weizmann est professeur de chimie qui va devenir en plus le premier président de l'État d'Israël à sa création en 1948. Vous avez eu les accords Sykes-Picot de 1916, démantèlement donc de l'Empire ottoman par les Français et les Anglais, et répartition des zones d'influence, et la fameuse déclaration Balfour du 2 novembre 1917, avec reconnaissance d'un foyer juif en Palestine, document remis à un certain Rothschild, Walter Rothschild, dont le père Nathaniel de Rothschild travaillait avec Theodor Herzl. Je vais très vite là-dessus, mais j'ai détaillé tout ça dans mon livre. Voyez-vous, cette déclaration Balfour, et ce sont les travaux de Carol Quigley qui l'ont prouvé, en fait, le véritable rédacteur de cette rédaction, de cette déclaration Balfour, c'est le bras droit de Lloyd George, premier ministre anglais de 1916 à 1922, qui s'appelait Alfred Milner. C'est lui véritablement qui a rédigé cette déclaration Balfour. Balfour n'est qu'un cache-sexe, si je puis dire. Mais il y a une chose, et à ma connaissance, cette information n'a jamais été donnée. Si elle a été donnée en langue française, elle a été donnée en catimini, en murmurant. Il y a eu cet événement de la donc, reconnaissance d'un foyer juif en Palestine en 1917. Et 1916-1917, vous avez eu la bascule des États-Unis du côté des Français et des Anglais contre les Allemands. Pourquoi les Américains se sont rangés du côté des Français et des Allemands, contre les Allemands? L'amour de la liberté, lutter contre le militarisme prussien. Oui, je veux bien y croire quand on a un coup dans le nez. Mais quand on est d'Agen, non. Pourquoi les États-Unis se sont rangés? Eh bien, voyez-vous, l'information a été donnée par un rapport officiel du gouvernement britannique de juillet 1937, un rapport de plus de 400 pages. Ce document est disponible sur Internet, il était scanné, et je l'ai lu. J'ai mis les références, pages 23 et 24. Ce document est extraordinaire. Il explique la raison de la bascule des États-Unis du côté des Français et des Anglais, de la bagarre entre Juifs, et on peut mieux comprendre certaines bagarres actuellement entre le monde anglo-saxon avec les Rothschild d'un côté et le monde russe avec Poutine et les Lubavitch derrière lui. Je vais vous lire le document qui est en trois parties et qui est capital. Je cite. Le lancement de la déclaration Balfour, donc normalement ça aurait dû être Milner, mais officiellement, lancement de la déclaration Balfour fut, à cette époque, motivé à des fins de propagande. Et il souligna,
présent le premier ministre Lloyd George, souligna la gravité de la position dans laquelle étaient les alliés. Les Roumains avaient été écrasés. L'armée russe était démoralisée. L'armée française était incapable de lancer une offensive à une large échelle. Les Italiens avaient subi une défaite sévère à Caporetto. Les sous-marins allemands avaient coulé des milliers de tonnes de cargaison de bateaux anglais. Aucune division américaine n'était à notre disposition dans les tranchées. Dans cette situation critique, on pensait que la sympathie de la communauté juive ou son antipathie orienterait substantiellement la cause alliée vers une issue favorable ou non. En particulier, la sympathie juive pour les alliés conforterait le soutien de la communauté juive américaine et gênerait le désengagement militaire de l'Allemagne ainsi que son renforcement économique sur le front Est. Voici les circonstances dans lesquelles le gouvernement britannique promulgua la déclaration Balfour. Écoutez, les chefs sionistes nous informa Lloyd George, promis en 1907-1922. Les chefs sionistes nous informa Lloyd George, nous ont donné une promesse formelle que si les alliés s'engageaient à fournir des moyens facilitant l'établissement d'un foyer national pour les juifs en Palestine, ils feraient de leur mieux pour rallier les sentiments et le soutien des juifs à travers le monde entier et à la cause alliée. Et ils ont tenu parole. Je pense que cette information, grâce à Culture Populaire, est dévoilée. On a la preuve qu'il y a eu une action juive en faveur de la cause sioniste. Mais attendez, ce n'est pas terminé. Parce que cette histoire, je m'en doutais, j'avais eu des indices, je le savais, mais je n'avais pas la preuve. La suite, je ne la savais pas. Elle est très révélatrice. Je continue la citation. De ce document britannique, gouvernement britannique, vous verrez la référence de ce document d'origine de 1937. On peut taper la source et retomber sur le document d'origine. Vous pouvez tous vérifier. Je cite. « Afin d'informer les Juifs du monde entier de cette déclaration, des millions de tracts circulèrent dans toutes les communautés juives. Ils furent largués depuis le ciel au-dessus des villes allemandes et autrichiennes et largement diffusés à travers la ceinture regroupant des communautés juives allant de la Pologne à la mer Noire. Les puissances centrales, donc Allemagne et Autriche-Hongrie, les puissances centrales, entre-temps, avait reconnu l'importance militaire de l'engagement juif. Au moment de la déclaration Balfour, le gouvernement allemand faisait tout ce qu'il pouvait pour gagner le mouvement sioniste à sa cause. Et après la déclaration, il se hâta, en lien avec son allié turc, de formuler une proposition rivale. Une compagnie, régie par une charte, fut envisagée au profit des sionistes allemands. Ah, ah. Bagarre entre juifs sionistes allemands, de l'autre sioniste français, anglais, américain. Elle aurait eu une forme limitée d'autogouvernement local et un droit d'immigration vers la Palestine. À la fin de 1917, on savait que les Turcs étaient désireux d'accepter un accord dans ces grandes lignes. Mais avant que les concessions ne soient finalement confirmées à Constantinople, la Palestine était aux mains du général Allenby. Allenby avec Laurence d'Arabie. Que dit ce document? D'abord, on a la preuve que la bascule des États-Unis du côté des Français et des Anglais, c'est une action de sionistes, et qu'ils ont fait un choix et que nous avons une bagarre entre clans juifs, un clan juif sioniste au nom de la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, qui s'oppose à un autre clan juif, le clan sioniste allemand, qui, lui, défend un projet sous la direction de Berlin. En fait, dans cette histoire, ce Bagdad Ban allait de pair avec l'existence d'un foyer juif en Palestine, mais simplement, c'était soit sous la direction de Berlin, soit la direction de la City de Londres. Et pensez, mesdames et messieurs, au malheureux poilu, il y a 100 ans de ça, qui était à des années-lumière de tout ça. À des années-lumière. Donc, on a cet événement extraordinaire. Et ce que nous voyons actuellement, les bagarres entre, d'un côté, le monde anglo-saxon, l'Union européenne, contre la Russie, c'est le même prototype de bagarre de juifs sous l'égide de Rothschild, libéral-libertaire, face aux Lubavitch de Berel-Lazare. Eux, ils soutiennent Poutine. Et je vais terminer par une conclusion avec trois points. La balkanisation du monde musulman,
annoncé en 1982 par le plan Hôtel-Inon. Certains disent que c'est un faux, c'était inventé, c'est un faux nom. Dans tous les cas de figure, une chose est sûre, celui qui a rédigé ce document, on peut lui attribuer le grand prix du roman d'anticipation, parce que c'est exactement ce qui se produit au monde musulman. Le grand Israël, qu'on veut établir, pour certains, entre les rives de l'Euphrate et du Nil, doit être relié à l'Ukraine et la Crimée. Crimée annexée par Poutine en 2014. Pourquoi ? Les documents sont dans ce livre, ils ne sont pas là. En fait, pour une certaine fraction juive, vous avez ce qu'on appelle les Khazars. C'est une population turcophone convertie au 8e siècle au judaïsme, qui s'est allée sur la partie est de l'Ukraine, à peu près au niveau de Kiev, jusqu'à peu près la mer Caspienne, plus la Crimée. Et pour beaucoup de juifs, ce territoire est considéré comme une seconde Judée. Et donc vous avez une bagarre entre des clans qui veulent plutôt mettre le paquet sur le grand Israël, et d'autres qui disent, et j'ai apporté des documents israéliens en langue anglaise, qui disent qu'il faut en revanche favoriser un courant migratoire vers l'Ukraine et la Crimée, territoire à l'origine juif et avec les Khazars. C'est très intéressant. Et cette bagarre entre Poutine et le monde occidental avec la Crimée et l'Ukraine, ça ne se passe pas dans la taïga, ces trucs-là. Hein. Bon. C'est en liaison avec le grand Israël, entre certains qui mettent plutôt le paquet sur le grand Israël, Proche-Orient, et puis d'autres plutôt l'Ukraine, la Crimée. C'est celle-là. Alors évidemment, ça ajoute évidemment des intérêts financiers, du gaz, du pétrole. Il y a d'immenses réserves de gaz au large des côtes syriennes. Je crois que ce sont les réserves du Tamar et du Léviathan. Vous avez aussi d'immenses réserves de gaz partagées au niveau du Golfe Persique entre le Qatar et l'Iran. Là aussi, c'est très intéressant avec ce qui se passe actuellement au Qatar. Donc il y a des raisons d'ordre matériel, financière, énergétique, de sécurité, parce que les Russes n'aimeraient pas voir certains groupes légèrement soutenus par l'Occident aller du côté du Caucase. Enfin bref, vous avez plein d'éléments. Mais vous avez aussi, et c'est ça que je veux vous faire comprendre, l'élément spirituel qui se rajoute aux éléments matériels. Et ça, en France, c'est complètement évacué, c'est même complètement ignoré. Cette volonté d'inhabiter le monde musulman est ancien. Vous citez le plan d'Elino, mais vous avez un islamologue juif qui a une nationalité anglaise, israélienne et américaine, qui en 1979 a lancé le principe de l'arc de crise partant de la Corne de l'Afrique, la péninsule arabique, jusqu'au Pakistan pour aller enquiquiner les Russes, enfin les Soviétiques. C'est sorti dans la revue Time en janvier 1979. Il suffit de regarder la carte, elle est explicite. L'arc de crise, question of crisis, la Corne de l'Afrique, balkaniser et flanquer la pagaille dans tous ces pays pour que tout cela, ça se propage vers l'Asie centrale, les républiques soviétiques, musulmanes et l'ours soviétique qui ramasse tout dans la figure. Enfin, tout ce que vous voyez là, c'est dans les livres. Hein. Donc je suis sûr que vous avez patienté quelques jours. Donc, pour vous montrer que cette volonté de balkanisation, elle est ancienne. Un autre élément qu'il faut avoir à l'esprit, qui a des éléments capitaux dans cette lutte entre la mer et la terre, le monde anglo-saxon avec l'Union européenne a inféodé au monde anglo-saxon, avec un point qu'il faut préciser, c'est le cas allemand. L'Allemagne prend un poids certain dans la construction européenne. Les anglo-saxons ont toujours été pour l'unité de l'Europe, à une seule condition, que cela se fasse sous leur direction. Donc les Allemands, tant qu'ils étaient le sergent-chef sous Eiffel, ils obéissaient très bien. L'Allemagne, prenant un poids certain politique et économique, l'Allemagne aurait tendance à vouloir... Alors, il y a une faction de l'oligarchie allemande qui aurait tendance à vouloir s'émanciper du pouvoir anglo-saxon. Et ça, Trump, et quand je dis Trump, c'est plutôt l'équipe qui est derrière lui, n'aime pas trop ça. Une faction de l'oligarchie allemande regarde, certes du côté de Washington, mais vous avez une autre faction qui regarde du côté de la Russie et de la Chine dans le cadre de la route de la soie. Rappelez-vous la carte que je vous ai montrée d'André Sheradam avec le Transsibérien et le Bagdad-Ban. Eh bien, cette même carte, c'est la carte de l'Eurasie, la suivante, mais la situation actuelle. Vous avez des réseaux ferroviaires énergétiques en tout genre vers l'Europe, et vous avez toujours cette zone, la péninsule arabique, l'Irak, Israël, l'Iran qui est un des États qui résiste encore, enfin, en même temps,
Et l'objectif, c'est une lutte entre le monde de la mer, de la terre, avec des réalités énergétiques, stratégiques, etc., plus l'aspect spirituel entre le grand Israël et tout ce qui se passe en Ukraine et en Crimée. En fait, ce qu'on voit actuellement, c'est, je vais dire, une situation bis repetita de ce qui se passait avant la guerre de 14. Avec la seule différence, c'est qu'avant la guerre de 14, il y avait la volonté de créer un foyer juif en Palestine. La chose est assurée depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Et dans la politique de la Kabbale et du judaïsme, la création de l'État d'Israël ne peut se faire peut-être que dans le cas d'un Armageddon, une sorte de guerre finale. Et d'une certaine manière, Gershom Scholem dit ceci: dans tous les textes, dans toutes ces traditions, l'annonce des cataclysmes sans lesquels les apocalypses ne peuvent se concevoir est décrite en images fulgurantes qui revêtent toutes sortes de formes: guerre mondiale, révolution, épidémie, famine, catastrophe économique, mais aussi apostasie, profanation du nom de Dieu, oubli la Torah et rejet de tout ordre moral, allant jusqu'au renversement des lois de la nature. Vous ne croyez pas qu'avec tout ce qui est GPA et compagnie, on est en plein dans cette bascule? Et donc, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est plein d'éléments politiques, énergétiques, stratégiques, spirituels qui se combinent avec un arrière-fond où des élites se disputent. Et en plus du rôle de l'Allemagne qui joue un rôle de trouble-fête et qui balance entre le monde de l'Eurasie et le monde anglo-saxon, en fonction des factions oligarchiques, parce qu'il y a des rivalités internes, vous savez, l'enfer est divisé contre lui-même. Eh bien, il y a un élément qu'il faut voir, en plus de la décomposition des États européens qui s'annonce, avec par exemple la Catalogne, ils ont annoncé un référendum pour le 1er octobre 2017, vous avez aussi le Kurdistan irakien, l'annonce d'un référendum pour le 25 septembre. Il y a, et c'est ça qui est frappant, de la part de ces élites, cette volonté de profiter, entre guillemets, d'un chaos pour atteindre le degré suprême qui est la gouvernance mondiale. Et vous avez eu la revue The Economist, qui en 1988 annonçait une gouvernance mondiale, plus exactement une monnaie mondiale, c'est celle-là. Soyez prêts pour une monnaie mondiale, c'est sorti en 1988, prévu pour 2018. Et évidemment, il ne faut peut-être pas se focaliser sur la date, quoique l'année 2017 est une année très importante. C'est le 5e centenaire de la réforme luthérienne, c'est le 3e centenaire de la franc-maçonnerie, c'est le centenaire de la révolution bolchevique, c'est le centenaire de Fatima. Et ma foi, ces gens-là jouent beaucoup sur les dates et sur les événements. Mais une chose est sûre, on a la preuve de la part de ces élites et d'une revue comme The Economist, la volonté de créer une monnaie planétaire. Les choses se confirment de plus en plus. Pourquoi ? Lorsque l'euro a été créé, vous avez eu ce qu'on a appelé un panier de monnaie, marque, lire, franc, pesette, etc., marche-pied vers l'euro. Eh bien, le même raisonnement s'est produit en 2016 avec ce qu'on appelle les DTS. Les DTS, ce sont les droits de tirage spéciaux créés à l'origine en 1969. Et l'objectif, c'est de créer un panier de monnaie, et la chose est réglée depuis octobre-novembre 2016 avec 5 monnaies: dollar, euro, yen, livre sterling, et la dernière monnaie qui vient d'intégrer les DTS en octobre-novembre 2016, le yuan. Et donc, on voit que ça y est, ils ont leur panier de monnaie, nous avons un endettement faramineux des États irrécupérable. Ça, c'est aux États-Unis, le gouvernement américain, le gouvernement fédéral, un endettement de 20 000 milliards de dollars. Des bulles en tout genre, les produits dérivés en tout genre. Enfin bref, c'est irrécupérable. Et donc de profiter d'un chaos financier lié au chaos qui se produit de plus en plus au Proche-Orient et peut-être aussi avec ce qui se passe en Corée, avec la Chine, etc., puis le monde américain, pour créer le choc nécessaire à la mise en place d'un monde nouveau, après tout, ordo ab chaos. C'est l'idéal propre au mondialisme. Et quand on lit les livres de Gershom Scholem, on se rend compte que le passage à une étape supérieure ne peut se faire que dans le malheur, les souffrances de l'enfantement, qui permet d'arriver en bout de course du Messie. Je vous remercie de votre attention.